Salut tout le monde, donc aujourd'hui on est lundi, il est 14h et oui je sors un peu parce qu'il fait tarpin beau et du coup voilà, donc en fait j'ai fini ma période d'essai en fait, donc je ne travaille plus, tout ça parce qu'en fait je faisais des heures supplémentaires, on n'a pas été payé et du coup je m'entendais pas super bien avec l'équipe, donc voilà, donc là. Petit sac à dos au calme. Et là, let's go. Enfin, là, je vais à la pharmacie. Bonjour Bonjour. tout le monde, donc là il est bientôt 16h et je vais à Carrefour. J'ai changé de veste. Wow, mes cheveux. J'ai changé de veste, j'ai mis une Gertrude que j'ai acheté sur vente privée pour pas cher. Voilà, donc let's go! Donc là, il est bientôt 17h et je suis à nouveau dans mon travail. Donc en fait, je vais vous expliquer pourquoi et le comment je suis partie. En fait, donc. Let's go. Non, ils ont enlevé la chaise. Ça fait tard pas longtemps. Enfin, tard pas longtemps que je suis pas venue ici. Genre, ça fait un mois que je suis pas venue ici. Voilà, voilà. Alors, en fait, attendez, je vais me poser parce que. Hop! Vous êtes loin. Là, non, c'est bon. En fait, pendant un mois, j'ai travaillé dans un restaurant en tant que commis, parce que voilà, je suis commis à la base. Et en fait, je faisais plein de choses qu'un commis ne faisait, qu'il doit même pas faire. Bref, et du coup, en fait, avec l'équipe, c'était pas trop ça, en fait, mais vraiment pas du tout. Ils ont un délire, mais complet du mien. Pourtant, j'ai essayé de m'intégrer, mais au final, ben, c'est eux qui n'ont pas voulu m'intégrer. Voilà. Et au final, je faisais plus d'heures. Et je n'étais pas payée en heures supplémentaires. Genre, des fois, je finissais à minuit et demi au lieu de 23h. Encore, tu me dis 11h30, ça passe crème, tu vois. Mais finir jusqu'à minuit et demi, alors qu'on a 20 couverts des fois. C'est quand même abusé. Bon, désolé, il y a le nœud dans mes écouteurs. Bref. Et du coup, voilà. Donc, je suis partie. Et tout. Bon, le chef, il était un peu dégoûté et tout. Mais bon, c'est pas grave. C'est une expérience. Donc là, je vais essayer de trouver en collectivité. Parce qu'en collectivité, ce qui est bien, c'est que tu fais tes horaires fixes. T'as des horaires fixes. Et genre, tu pars pas plus tard en fait, donc c'est ça qui est cool. Donc voilà, et du coup je suis allée à Carrefour, je voulais me prendre un gros sac de sport en fait. Et du coup j'étais dégoûtée du prix. Je croyais que j'allais le trouver moins cher, mais au final je l'ai trouvé plus cher qu'au magasin de la marque en fait. Et je pense que je vais me le prendre dimanche prochain. Donc c'est cool. Et du coup je suis allée à Kiko et il y avait encore les soldes. Donc du coup, je vais vous montrer ça de suite. Hey tout le monde, donc aujourd'hui, on est vendredi, il est bientôt 17h et là, je vais go au travail. Let's go. Re tout le monde, donc là, il est 17h18, je viens juste d'arriver au travail. Le bus, il est venu en retard, quoi, comme d'hab. En plus, à ce qui paraît, le 25 février. Il y a grève de bus, enfin de mon bus, genre le 22, 22, 45 et 23. C'est super. Super la RTM. Donc, je sais pas comment je vais faire en tout cas. Mais il y a grève. C'est super. Je vous ai mal cadré là. Voilà. Enfin bref, donc du coup, je sais pas comment je vais faire. Je me sens pas de marcher de chez moi jusqu'ici à pied. Ça fait quand même une trotte. Donc voilà quoi. Mon nœud n'est toujours pas défait. Ça fait chier. En fait, je l'ai défait et ça me refait des nœuds. Donc
Oui, je sais, je suis une fatiguée en ce moment. Enfin, bref, aujourd'hui, j'ai fait des macarons. Au bout de la sixième fois, je les ai réussis. Un truc de fou. Enfin, je suis trop fière de moi et tout. Et genre, même avec ma pâtissière avec qui je fais des cours, elle était super contente et tout. Parce qu'à chaque fois, j'envoyais des macarons qu'ils n'étaient pas cuits et tout. Et franchement, j'ai trop bien réussi. La ganache, je la ferai demain matin parce que j'avais pas le temps et tout. Donc voilà, je suis trop fière. Et en plus, demain, je pense que je vais en refaire d'autres pour m'entraîner un peu plus. Donc je croise les doigts que ça va être la même chose en gros. Et là, j'ai pris mon carnet de recettes en fait. Et j'ai vu sur Insta, parce que je regarde beaucoup sur Insta les recettes et tout. Et vu les macarons, je les ai prises sur Insta. J'ai vu un layer cake, mais genre exotique. Mais genre, moi, je vais pas mettre d'ananas. Je crois que c'est de la noix de coco et tout, mais moi, je vais pas faire vraiment de l'ananas, parce que voilà, enfin, si, peut-être. Ou de la framboise au lieu de l'ananas, peut-être. Ouais. Donc, je pense que demain, je vais faire les courses. Enfin, framboise, j'en ai parce qu'ils sont surgelés. Donc, c'est cool. Et il faut que je regarde sur mon téléphone les ingrédients qu'il me faut, etc., etc. Franchement, je suis hyper fière de moi pour les macarons. Parce qu'à chaque fois, je les rate et tout. Et ça me décourageait de plus les faire, en fait. Parce qu'à chaque fois, je les ratais. Soit c'était les ingrédients que j'ai pas pesé les mêmes que j'ai pas posé les mêmes pesé en fait, et vu que là c'est 56, 65, 65 et 65, donc du coup c'était plus facile. Et franchement, quand je faisais la cuisson, enfin le ruban en fait, je les ai mal fait. Et du coup, ben là, nickel, chrome. Même ma mère, elle m'a dit bravo, c'est super. Même ma grand-mère, pour vous dire que, genre, parce qu'en fait, j'en ai fait des petites et des grosses. Et les petites, je vais les laisser justement pour ma ganache. Et les grosses, ma grand-mère, elle en avait mangé. Elle m'a dit, franchement, ils sont super bons et tout. Et même moi, tout à l'heure, j'en ai goûté parce qu'il y avait une grosse coque de macarons. Et du coup, ben, c'était trop bon. En fait, je fais avec la poudre. J'ai plein de poudre alimentaire pour les macarons et tout. Mais moi, j'avais mis au myrtille. Et franchement, je sentais même pas que c'était de la myrtille. On dirait que c'était nature en fait. Et comme j'ai dit à ma mère, je crois que j'ai commandé sur internet les gels pour faire les macarons. Parce qu'en poudre, c'est de la merde en fait. Que je viens de réaliser, que j'en ai une cinquantaine à peu près. Mais bon, c'est pas grave, on peut toujours les garder pour faire autre chose, etc. Mais franchement, je suis tarpin fière de moi. En plus, j'avais fait un sondage sur Insta. J'aime bien faire des sondages sur Insta par rapport à la pâtisserie et tout. Et vous avez été nombreux et nombreuses à me dire faire les macarons au lieu de faire un entremets. Donc, du coup, ben, j'ai fait les macarons. J'hésitais à les faire parce que j'avais peur de pas les réussir. Et au final, je les ai réussis. Voilà. Voilà. C'est fini. Ça, c'est la vie. Vraiment la vie. Demain, je pense que je vais filmer. Et tout. Et dimanche, samedi soir, je vais le mettre en ligne. Parce qu'en fait, à chaque fois, on va à plein de campagnes. Et j'ai pété mon adaptateur pour mon Mac. Donc du coup, j'étais avec mon téléphone de montage. Mais c'est de la grosse merde et tout. Je suis dégoûtée. Et là, vu qu'on va pas souvent à plein de campagnes, on est allé la semaine dernière. Mais on n'a pas pu faire boulanger. Donc je suis un peu dégoûtée. Et dimanche prochain, non, parce que ma grand-mère, elle rentre à l'hôpital. Et du coup, je sais pas. En fait, sur la Fnac, il n'y est pas. Je pense que je vais le commander sur boulanger. Et comme ça, moi, je l'ai directement à la maison, quoi. C'est ce que je compte faire. Ouais. Parce que comme ça, moi, je peux faire un montage tranquille sur mon ordinateur.
tout et tout et tout. Ça y est, là, j'ai plein d'idées de vidéos à faire. Donc, ça va être cool. Là. Cool. Donc, du coup, dimanche, il y aura un nouveau vlog. Parce que je vais faire des photos. Avec mon appareil à photo. Et du coup, ça va être super bien. J'espère que ma mère saura bien faire des photos. Parce que ma mère et les photos, ça fait deux. Hein. Enfin, bref. Et du coup, je pense que je vais m'acheter mes AirPods. Je me languis de me les acheter. Et dimanche, ça va être une grosse journée. Mais de ouf. Genre à 8h30, il faut que j'aille au hammam. Au hammam, quoi. Me détendre et tout. Genre, comme un spa, mais en fait, c'est un hammam. Ma mère, elle va se faire la couleur. Et tout. Après, on va. Je crois qu'on va Camille-Pelletan. De là, parce que c'est à côté. Non, d'abord on va aux terrasses et au musée et après on va à Camille-Pelletan. Et voilà. Donc ça va être une grosse journée. Quoique demain non, aussi, enfin la matinée, non, j'ai rien à faire. Enfin, pas ma ganache. Récupérer des trucs au laboratoire. Et ensuite, vers 4h, j'irai faire les courses. Voilà, parce que après je vais voir ma famille et tout. Donc voilà, la journée ce week-end ça va être du lourd, lourd, lourd. Ça va enchaîner, hein. Voilà, donc on se retrouve ce soir. Petite course, direction Picard. J'ai pas vlogué ce matin parce que une journée détente avec ma mère et tout, enfin on est allé au hammam, etc. Après, je suis allée aux terrasses et du coup, ben, comme vous pouvez le voir, je me suis acheté encore des AirPods. Contente et tout, genre, je peux vloguer comme ça et tout. Parce qu'avec mes autres écouteurs, c'était vraiment de la merde quoi. Et du coup, j'ai acheté mon ordinateur, etc. Parce que pour le Mac Pro, le MacBook Pro, du coup, ben je me suis pris ça. En gros, j'en ai eu pour 225, un truc comme ça, euros. Donc, je suis trop contente et tout. J'ai mon petit boîtier et tout. Ça va me changer ma vie parce que la vérité. Ces autres écouteurs, c'était vraiment la hesse. Et du coup, là, je suis parfaitement contente. Genre, je peux sortir dans la rue comme ça et tout. C'est trop bien. Et du coup, j'ai fait ça et j'ai fait Zara. Enfin, je me suis acheté une robe et tout. Mais je ne l'ai pas essayé tellement que j'avais tarpin la flemme et tout. Là, je crois que je vais faire mes cheveux, je sais pas. Parce que ça me saoule en fait de les avoir bouclés comme ça et tout. Donc, je pense que ce soir, je vais faire le petit montage. Et ensuite, je pense que demain matin, ils seront en ligne. Là, je vais essayer de poster plus régulièrement mes vidéos, quoi. Même que c'est des vlogs ou ça va être des challenges et tout, parce que voilà, j'ai plein d'idées en ce moment. Et je crois que samedi prochain, j'ai déjà un programme. En fait, je vais faire le musée, parce que je devais faire le musée aujourd'hui. Mais comme j'ai oublié les photos, donc du coup, ben, c'était mort. On va faire de la trottinette aussi. Ça va être trop cool. Genre, il y a mon oncle qui descend et tout. Donc, ça va être très bien et tout. Et du coup, voilà. Donc, j'ai hâte d'être samedi en plus. Je vais au grand littoral et tout. Faut que j'essaye d'un peu de m'en acheter. Voilà. Donc, mon. Et il sera. Ce soir. Non, demain. Ce soir, demain, voilà, je vais essayer de faire un peu plus de vidéos, etc. Donc voilà, bisous.